Bonjour. Petite histoire d'après l'écrivain Paolo Coelho. Un jeune couple emménage dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner devant la fenêtre, la jeune femme voit sa voisine suspendre son linge à l'extérieur. « Ce linge n'est pas très propre, dit-elle. Elle ne sait pas le laver correctement. Elle a besoin d'une meilleure lessive. » Son mari regardait, silencieux. Et chaque fois que sa voisine suspendait son linge, la jeune femme faisait le même commentaire. Un mois plus tard, elle fut surprise de voir du linge bien propre sur le fil à linge de sa voisine et dit à son mari « Regarde, elle a finalement trouvé le moyen de laver correctement son linge. Je me demande qui lui a appris ça. » Le mari répondit « Je me suis levé tôt ce matin et j'ai nettoyé nos fenêtres. » Et il en est ainsi de la vie. Ce que nous voyons en regardant les autres dépend de la clarté de la fenêtre à travers laquelle nous regardons. Alors, ne soyons pas trop rapides pour juger les autres, car notre perspective sur la vie est parfois assombrie par la négativité ou des désirs insatisfaits. Juger une personne ne définit pas qui elle est, cela définit qui nous sommes. À bientôt.